Hello gozaimasu, los pichos y las pichas. Aujourd'hui, on va faire une pause sur célébration, car hier, j'ai reçu un colis venant du Japon. Bon allez, on va ouvrir ce paquet. Oh, c'est la méga boîte japonaise Point Fusion. Je sais pas si vous le savez, mais Point Fusion va sortir après Évolution Céleste. Et il met à l'honneur un super Pokémon, Mew. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Des gâteaux Pokémon qui viennent du Japon. On les ouvrira dans un bonus. Regardez-moi ces beaux gâteaux! Oh, je meurs d'envie d'en goûter un! Comme je vais le manger, je monte bien le paquet. Très beau, hein? Ça a l'air vraiment bon ces gâteaux. Mmh, qu'est-ce que c'est bon! Oh, Ushides! C'est une gaufrette au chocolat. Mais qu'est-ce que c'est? C'est joli. Je pense que ça se regarde dans l'autre sens. Oh, c'est un autocollant et j'ai une flambino. C'est trop bien. T'es mignon, toi. Vous voyez comme il brille bien. On dirait une carte Pokémon holographique. Alors, là, c'est un autre paquet. Là, c'est Dracaufeu, Tortank et Florizarre. Vous avez vu, j'ai Tortank derrière moi. C'est super bon ces gâteaux. Ça c'est Pierrobut, Pikachu et Lucario. Ça c'est Darkrai, Cresselia et Pikachu. Très joli tout ça. C'en est un avec Voltoutou, Pikachu et Voltoutou. Là, c'est très beau. Et mon deuxième préféré avec Pochama. C'est Tiplouf en japonais. Et là, c'est Tiplouf du coup et Pikachu. On a un autre bout de gaufrette. Alors. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces côtés? Avec des Pokéballs et une sorte de jeu d'échecs d'énergie, je sais pas. C'est un truc avec marqué Pokémon Card Game. Jeu de cartes Pokémon. Et puis toutes les énergies qui sont mises en carte, hein, parce que. Allez, on l'ouvre ce méga pack! Un display. Oh, il y a une petite boîte. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, il y a plein de cartes. Ça doit être un deck préconstruit. Bon, allez, on va le voir sur le bonus. Oh, mais je vois. Qu'est-ce que je vois? Il y a plein de protège-cartes. Waouh, ils sont trop bas ces protège-cartes. Vous avez vu? Il y a un lanceurien qui lance ses deux fantômes comme ça pour attaquer une secte. Et là, il y a Mew
Dynamax, la VMAX, avec une grosse queue. Je suis venu voir mon unboxing. C'est moi, Blue, vous me reconnaissez? Bah oui, il aime bien. Bon allez, maintenant on passe au display. Il est très beau. Ah ok, il s'ouvre comme ça. Avec plein de boosters. Oh, il y a plein de boosters dedans. Tiens, je vais les mélanger et en prendre un au hasard. Ah, j'ai pas très bien mélangé, mais bon. Alors. Non, les boosters. Ils sont vraiment beaux, hein. J'aime bien avec Mew. Oh bah tiens, Togedemaru. Comment il s'appelle? Ah oui, Miamiasme, il est rigolo. Luna. Et oh, Lugulabre V. Trop bien. Oh, là j'ai de la chance, c'est le premier booster sur qui je tombe. Vraiment magnifique. Oh, il y avait une autre carte. Il y avait un crocodile. C'est évolution de Kaiminus en starter. Ah, donc dans les boosters japonais, il y a 4 cartes. Donc x10, ça fait 40 au total. Les boosters célébration. Du coup, je vais mettre cette carte là, comme on a vu tout à l'heure. Lui, c'est Miasmax. Lui, c'est Caninos. Tiens, il y a des signes bizarres. Chapignon. Fantirme, point de fusion, hein. Il n'y avait pas sur toutes les autres séries. Et oh, cette fois, c'est Lugulabre VMAX. Mais qu'est-ce qu'on est chanceux, les amis. Je comprends pas, il y a 5 cartes. Là, c'est la 15 sur 100. Tiens, il y a marqué RRR. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. C'est peut-être ultra rare en japonais, leur fonctionnement. D'ailleurs, il y avait des sortes de lunes. Je sais pas. Alors, tiens, un Colorior point de fusion. Toxiza point de fusion aussi. Mais donc, qu'est-ce qu'il est beau. Calminus. Grand Bulle. Et... qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de donuts avec marqué point de fusion. Mais donc c'est très joli. Là, comme vous voyez, il y a un U. C'est 92 sur 100. Bon, je vais recompter les boosters hein, parce que. Je l'ai déjà ouvert 3, il y en a combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il y en a 30. C'est énorme! C'est la première fois que j'ouvre un display, donc je savais pas. Je pense qu'on aura toutes les cartes. Peut-être, je suis pas sûre parce qu'il y a 100 cartes. Après, on a eu une V max. Alors. Snubbull, Votutrice et une sorte de lune sur le côté encore. Ça c'est un
escargot marion qui fait un truc bizarre avec marqué point de fusion. Pas de Pokémon point de fusion, pas bon. Ça c'est Corallium. Et une sorte de truc qu'on appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, un Tokiwoki. Ça doit être point de fusion. En tout cas, je suis sûre qu'en français, c'est point de fusion. J'espère qu'il y aura Pyrobut, Gorythmique et les Argus. Et j'espère encore plus en V et en V max. Alors, Coquille Perle. Donc, point de fusion, c'est des trucs plus bizarres. Onyx. Minizan, joli, trop mignon. Et regarde son nom, je dis qu'est-ce que c'est que ça. Muplodocus, je crois, ouais. Et je crois que c'est pas fan Pokémon, soit c'est Rollers. Non, c'est une dans Pokémon Bouclier, ça c'est épée. C'est dans sa Windcore, la dernière ville. Et Win, ça veut dire gagner en anglais. D'ailleurs, à Windscore, il y a la rose de Windscore et c'est le terrain final, on peut dire. Baligon, Chrysapil, Frisonnille, il est trop mignon, j'adore les Frisonnilles. Oh, waouh, Lansorien point de fusion. Oui, on se défend comme ça et c'est holographique, c'est magnifique. Jusqu'à 120 et Arcanin, il est beau aussi. Ça doit vouloir dire rare, le U vers le haut. J'ai vu tout à l'heure, tu avais des sortes de lunes sur le côté. Ça doit vouloir dire, j'en ai vu des blanches et des noires. Je pense que ça doit vouloir dire que commune et commune. Bon, comme mon ami japonais vient à Noël, je vais lui demander. Alors, Skitty, Chenipan, il est marrant, Aflamanoir, wow, Salarsen, forme grave et point final en plus, qui attaque de 90, donc R, ah bah là t'as un R, ça doit être, ah j'ai compris, les communes c'est les sortes d'étoiles là. Les peu communes, ça doit être une autre étoile, ou je sais pas. Et R, c'est rare. Rare en anglais. Et en dernier, Viridium. C'est un légendaire, il est trop cool, il attaque de 90 et il est beau. Hein. U, c'est peut-être uncommon pour les cartes peu communes. Et du coup, le sort de lune, je sais pas ce que c'est. Ils sont vraiment magnifiques ces boosters. J'espère que les boosters français seront aussi jolis parce que eux ils sont vraiment magnifiques. J'aime bien ta jaune sec qui fuit que. Oh je vais me prendre des fantômes de Lansorien, ah, ça va pas. Bon alors là je pense que ce booster on va peut-être avoir un truc. Alors voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Alors lui c'est Rakaillou. Crisacier ou pas point de fusion et c'est un V. Je vous ai dit on va peut-être avoir un truc. Et qu'est-ce qu'on a eu? Bah un truc très sympathique. Un ou pas, c'est un légendaire. C'est je crois forme enchaînée. Mais vous voyez il a plein de mains comme ça. Il attaque de 170. Il a un talent, je sais pas quoi puisque j'arrive pas à lire. Et Serpong point de fusion aussi. Hein. Ils aiment bien les cartes point de fusion ici. Hein. Avant c'était 1000 points point final, t'en avais de partout. Quand je dis partout, c'était partout quasiment. Et là c'est point de fusion. Et donc dans les displays japonais, on a plein de super cartes. Alors, Corallium Galar, Toxizap, point de fusion, Gravalanche et Énergie, point de fusion et. Le canon
J'ai dit énergie point de fusion, mais je sais pas ce que c'est. C'est énergie boréale. J'adore les cartes point de fusion. J'aimerais bien avoir Mew VMAX, ce serait trop bien. Je peux dire c'est la carte emblématique du truc. Et aussi, je voulais vous montrer un truc sur les cartes japonaises. C'est regardez, en France, on voit juste, sur les autres pays, je crois, on voit juste la Pokéball. Il est un peu en train de s'ouvrir. Alors que là, il y a l'énergie feu. Je crois. Non, électrique, c'est là. Ça doit être. J'arrive pas à lire. À voir, je veux dire. Ça doit être eau, psy, plante, combat. Donc ça doit être normal. Alors, Sapro. Zigzaton de Galar, de vouloir dire de Galar. Ça c'est Fermite avec la petite lune. Ah c'est commun je pense. C'est commun. Hexadron et un dresseur assez pas très sympathique. Il a l'air méchant mais je trouve que c'est un très gentil. Hein. Donc maintenant je crois que j'ai compris. Il y a C, la sorte de lune, c'est common, commun. Il y a U, c'est uncommon, ça veut dire peu commune. Et R, c'est rare. Mais tout à l'heure, sur la VMAX, il y avait RRR, donc c'est bizarre. C'est bien, peut-être Ultra Ultra. Ça, c'est Cocombaf. Fantir, point de fusion. Galvaran, il est trop beau. C'est. Je crois que c'est Gant Éponge. Grand spongieux, un truc comme ça. Et Corvaius. Il y a quand même 170 PV, l'attaque de 160. Hein. C'est pas tous les Pokémon qui ont ce privilège. Tiens, je vais prendre le dernier parce que ça se trouve, dans le dernier, il y avait une très belle carte. Comme on ne sait pas, bah autant essayer. Hein. Une fois que vous allez au Japon, prenez des displays. Hein. Tiens, il est mignon celui-là. Oh, c'est Larvibu, il est très beau. Igoltar. Et Limaspid, point de fusion. Ah, j'oublie à chaque fois, il y en a une derrière. Waouh. Plimlin, forme flamenco. Oh, il est trop beau, de point de fusion. Je monte de près parce que j'adore le dessin. On dirait comme une carte prime, ça brille. Je fais ça parce que tout à l'heure, je crois, j'ai failli toucher une carte. Donc, comme je préfère ne pas les abîmer. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors. Colimicus. Ah, ça c'est un Starry 1000 points. En japonais on dit Rengeki. Ça veut vouloir dire 1000, un truc comme ça. Ça c'est Bleuzeil. Waouh! Un Ixon de Galar. Très joli. Vous avez vu sur le cartolo, tout le tour brille. Je pense que c'est pas comme ça, hein, je crois. Mais un Solourdeau. Lui, il doit pas être rare. Bon, allez, Mew. Mew VMAX, je veux dire, rentre avec nous. Allez, Mew VMAX, sois dans ce booster. C'était Onyx. Hein. Là, c'est Balignon. Snubbull et. Fulgidog VMAX. Trop bien, il a 320 PV, il attaque de 230. Ah, c'est cool ça. Faut vraiment, si vous allez au Japon, prendre un display parce que c'est trop bien. Et là, il y a RRR. Je pense que ça veut dire rare ou rare. Triple rare. Trois fois rare, peut-être. Peut-être que les V c'est double rare. Et
un stade. Stade de skateboard. Le stade skateboard. Non, pas possible. Vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Moi j'attends toujours New VMAX. On a eu Fulgido VMAX quand même, hein. C'est pas tous les jours. Peut-être qu'on aura jeune sec, je sais pas. Alors, Minisange. Meltan point final. Ça doit être final Ichigeki. Chez Vostourno. Et Pop Illusion, le graphique trop beau. C'est beau, hein. C'est Vostourno de Crisacier. Et un Dispeptile. Pas confondre avec l'Ansorien. Il y a vraiment des oreilles où ça sort. Et là, c'est juste des fantômes qui tournent autour de lui. On a eu encore beaucoup de chance avec ce booster. Je me demande si c'est comme ça quand ça va sortir, la pointe de fusion. Alors, frissonnier. Igualta. C'est une commune, alors moi j'ai envie de commune. Racaillou. Limaspi, point de fusion et... Ouh, c'est trois dresseurs, je crois qu'il y a Rachid. Et les deux autres, je les connais pas. Ils sont très jolis. J'aime bien avoir des dresseurs full art, ça veut dire qu'ils brillent dans tout le dessin. Ce que j'aime bien, ce trio de dresseurs, ils auraient dû marquer Squad. Mais comme on n'est plus dans les séries Soleil et Lune, ils marquent plus Squad. Alors, Miamiasme, Chapignon, Calminus, Marakashi. On trouve dans un désert, bon là il y a la plage, mais bon. Et Linéon Galar. T'as vu, il y a des étoiles sur les yeux. Rigolo, hein. C'est une carte peu commune. En France, c'est rond. Losange et une étoile, et pour les ultra rares, c'est étoile or ou argent qui brille. Oh, mais c'est le bout du booster là, ça reste collé au ciseau. Skitty, Togedemaru, Coquiperle, point de fusion. C'est une sorte de carte avec une couronne, ça devait être une carte VIP. Et oh, encore Plumeline, forme flamenco, point de fusion. Il reste encore plein de boosters. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ben, on aura eu de la chance, hein. C'est un super cadeau. Arigato gozaimasu. Alors, Chenipan, Bleuzeil, Caninos, jeune sec, cool! En plus, c'est un V point de fusion, et en effet, c'est double rare. Et point de fusion, elle est vraiment belle, celui-là, il vend des sorts d'immeubles de Tokyo. Il a 2 R, et il attaque de 210 quand même, et... C'est une sorte de grelot. J'ai envie de l'appeler grelot sympathique. Parce qu'il est assez gros. C'est son surnom, j'ai deux. Sapro. Toxiza, point de fusion. Donc, je sais pas ce qu'il fait. Minotope. Hexadron et... Oh, Rose Abyss, point de fusion. C'est plein de sortes de médailles là. Ouh.
combien il peut en rester 10. Je vais avoir mal au bain à force de couper les boosters. Delcati, c'est drôle comment ça s'écrit en japonais. Muna. Oh. Mucuscule, vous avez vu la plante griffe de dragon? C'est maintenant c'est comme ça sur les cartes dragon et puis elle signe dragon même si c'est pas une reverse. Oh, je sais pas c'est qui mais en tout cas il est marqué point de fusion. Et oh, la Latias point de fusion, elle est trop magnifique. C'est une peu commune. Je vous montre une boîte du Japon, Latios et Latias, avec la rose de Windscore, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, il y en a même un autre côté. On voit la sorte de Big Ben. Lui, c'est Latias, c'est une femelle. Et lui, c'est Latios, un mâle. Beaucoup c'est Pokémon. En plus, c'est des légendaires. Moi j'aime bien, regardez bien. Je pense qu'on l'a pas dans tous les boosters, hein, la tiasse. Du coup, comme j'ai la tiasse, j'ai envie d'avoir la tiosse, hein. Vous pouvez, ça... Ce serait bien aussi. Mais je me dis trop, je vais avoir tout en V. Corayon de Galar. Rototo. Oh, Colorieur, point de fusion. Une commune. Et un échange, point de fusion. Bah, je sais pas ce qu'il leur trouve à point de fusion, là. Et Arcanin. T'as quand même 260, hein. Je trouve les cartes japonaises sont plus fortes que les françaises. C'est quand même rare qu'un Pokémon attaque 260. Vous voyez, il marque là le point de fusion, point final et 1000 points. Marqué for sale in Japan only. D'ailleurs, c'est mis que au Japon. Galvaron. Escargot. Gravalanche. Wouah! Deoxys avec point de fusion, point final et 1000 points en holographique. Elle est trop bien, c'est un Pokémon extraterrestre. C'est peut-être pour ça qu'il en a 3 lui, hein. Ça doit être certainement la seule carte. Et Meloetta forme champ. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu dans un booster, hein. Je crois que c'est un Pokémon fabuleux. Lui aussi doit être rare. Peut-être que comme je vous ai dit là, il monte les 3, mais ça veut peut-être dire attention, si vous avez Deoxys, vous pouvez être bien content. Escargot. Miamiasme. Chrysapil. Oh, la Latios. Point de fusion holographique. Ah, ça c'est cool. Il attaque de 210 et il a 130 PV. Trop bien. Alors j'ai eu Latias en normal et là j'ai eu Latios holographique. Je crois que je préfère quand même Latias, mais j'aime bien les deux. Et échange, point de fusion. Trop sympa. Finalement il y en a plus que dans Célébration, il y avait 5 cartes dont t'avais plus de chances d'avoir des trucs quand même dedans. Ce qui est dommage c'est que là la V elle est pas en dernière. Ce que j'aurais à faire c'est peut-être mettre... genre celle-là là et comme ça si on a une V ben on l'a en dernier. Alors Grolem, oh là là qu'est-ce qu'il est beau. Tech de 160. Rototop. Lipoutou. Lipou. Et oh non c'est bon quoi la dernière. L'herbibule et oh, Mewvee. Point de vision, trop bien. Je la voulais. Cool. La tech de 70. C'est une double rare. Qu'est-ce que je suis content. Là, fallait avoir une carte Mew, hein. Et ben, on a une. J'aurais bien aimé qu'il y aurait quand même 1000 points, point final et point de fusion, mais...
pense pas que ça reste dans cette écart. Mais là, waouh, ça doit être trop rare en plus d'avoir. C'est une carte Mew insérée où Mew est mise à l'honneur. Du coup, je vais faire ça maintenant. Alors, Crocodile, Fantirme, Starry. Oh, Colimicus, il donne des fleurs. Et une carte foulard d'un dresseur. Oh, c'est trop bien. Elle est rugueuse. Ah, elle est sympa. On dirait qu'elle va lancer son chapeau dans l'eau. Ah, c'est cool. Bon, maintenant, je vais mettre la dernière carte devant. Du coup, parce que comme j'ai vu qu'il fallait faire ça, dans les français, c'est 4 cartes. Peut-être que dans les boosters de display. Mais bon. Parce qu'on a eu de la chance, hein. Alors, celle-là, on la met là. Alors, ah bah, tiens, Rosabis. Rototop. Starry. 1000 points. Minotop. Et. Oh, Staros, 1000 points holographique. Sympa, il fait un tourbillon toupie. Très joli. C'est une carte rare. Oui, puisque la dernière, c'est une rare à chaque fois. Généralement, on a une holographique ou maximum deux dans les paquets. Là, on en a 3 ou 4. C'est trop bien. Et des V aussi. On a quand même eu un dresseur full art. Hein. Après ce booster, il en restera 2. Bon, bonne chance, les amis. En tout cas, je vous conseille vraiment d'en avoir. Hein. Viridium. Galvaran. Skitty. Oh, Concombat. Et Grelot. Je crois que c'est un Grelot Zen ou un truc comme ça. Oh, tiens, il y a poussière Dynamax. C'est peut-être un Grelot qui peut faire Dynamaxer ou Gigamaxer plutôt les Pokémon. Je sais pas. Allez, l'avant-dernier booster. Disparaît-il? Sapro, Mouchana, Zigzaton Galaré, Belle des Neiges. Elle est belle. Elle est belle dans la neige. Très beau Pokémon. C'est évolution frissonnie. Bon allez, Mew Power. Pouvoir de Mew. Peut avoir un Pyrobus. Peut-être un Flambino s'ils en mettent un ou un Tiplouf. Parce qu'ils ont Mécanimus, donc je ne verrais pas pourquoi ils mettraient pas un Tiplouf. Alors la sorte de carte VIP. Meltan, point final. Mucuscule, Corroyon Galar et. Bon, là, faut qu'on ait une super carte. Oh, Melmetal holographique, point final, qui attaque de 150. Et qui a 150 PV. Fait une sorte de gros punch, ça doit être ça, son attaque. Quand même beaucoup d'énergie. Hein. Il détruit littéralement le rock en faisant un gros coup de poing. C'est évolution Meltan qui est moins fort comme vous l'avez vu. Bon allez, on va passer au récap. Bon allez mes méga Pichu, on passe sur le méga bonus. Il est vraiment trop bien cet unboxing, il y a trop plein de super cartes. Ça c'est Staros, 1000 points holographique. Une rare. Ça doit vouloir dire point de fusion. Et puis une sorte de toupie. Ça je me trouve trop belle, Papillusion holographique. Deux qui va se reposer sur un lit. Dans plein de trucs d'herbe. Papillusion, ça va? Oui! Salarsen, forme grave, il fait. Comme souvent, Ixon. Ses points de fusion,
c'est l'évolution de Toxizap. Il n'a pas d'évolution, par contre il peut se gigamaxer. Ça, c'est un super Pokémon, c'est Lansorien. Attaque de 120, c'est bien. Point de fusion. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ixon. C'est 60 plus 90, c'est-à-dire ça fait 150. Avec je sais pas quoi truc muge. Et il a 170 PV. C'est l'évolution de Linéon de Galar. Qui est toujours là. Il tire toujours la langue. Comme un chien, comme s'il avait chaud. Lui, c'est un Melmetal. Point final. Il est en train de donner un super gros coup. Et il fait quand même du 150, hein. C'est du 80, mais c'est un peu moins puissant. Donc, lui, c'est Meltan. C'est celui qui évolue en Melmetal. Lui, c'est Latios. Et c'est très rare, il attaque de 210. Trop beau. Ça, c'est vraiment la carte normale la plus incroyable. C'est Deoxys. Il est point de fusion, point final et 1000 points. Alors lui, il s'embête pas. Hein. Il choisit de prendre tout. Il attaque de 80 plus 80, ce qui fait 160. Je suis sûre que lui, il va se rebeller. Hein. Il va lui attaquer. Ah, dis donc, 210. Allez, au revoir. Parce que... Ça, c'est une carte. Je sais pas si vous avez vu, il y a marqué SR. Je viens de le remarquer. C'est, on dirait, une carte secrète puisqu'il y a ses 114 sur ça. C'est peut-être parce que c'est une secret rare. Avant, j'avais pensé à super rare, mais je me dis non. Ça, c'est un Lugulabre V. C'est la carte V la plus belle qu'on a eue de unboxing. C'est une double rare. Genre ultra rare en français. Ça, c'est un Oupa point de fusion V. Il attaque quand même de 170, hein. Il a 200 en PV. Ça, c'est Genesect V avec marqué point de fusion. Il attaque de 210 aussi, comme Latios. Sauf que lui, il a plus de PV. Et Mew V, la carte la plus emblématique qu'on a eue. Et lui, la sorte d'onde qu'il fait. Point de fusion, je pense que ça veut dire que ça fait... dans tous les sens. Ça, c'est Lugulabre VMAX. C'est triple rare. Pourtant, c'est à 15 sur 100. Elle est belle. Elle est rugueuse en plus. VMAX. Vous entendez? Il a 320 PV. Il est type feu. Normalement, il est feu et spectre. Parce qu'il n'y a pas l'énergie spectre. Et là, c'est Fugudog VMAX qui attaque de 230. Il y a 320 PV hein, quand même. Et que sa queue, on veut qu'elle fasse plus de... Bon allez les pitchous, on passe sur le bonus. Bon allez les pitchous, on passe au super récap du Miam Miam. Alors, ça c'est la petite boîte. Pokémon Card Game, vous voyez, ça c'est la poussière Dynamax. Il y a des cheveux, j'ai pas envie de se faire couper les cheveux. C'est une sorte de Mary. De 1995 à 2021, il y a les énergies. En fait, cette énergie là que je monte là, dragon, celle-là, elle n'y est pas en carte énergie. C'est pour ça que vous voyez là, tu vois, c'est un type dragon. Mais il mettait haut, normal, feu, quoi, un truc comme ça. Des combinaisons pas possibles, le dragon. Alors, ouh, regardez, il y a des répartiteurs, des cartes, des cartes, et des protège-cartes. C'est un avec plein d'énergie. Il
regarder le deck préconstruit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, en premier, il y a Mew V. Ce qui est étonnant, c'est qu'il brille pas. Mais je suis sûre que c'est quand même une vraie. Hein. Là, on met pas de l'étoile. Enfin, du coup, là, les RR. Parce que les decks préconstruits, ça doit être pour les enfants, jouer entre eux. Ça, c'est Natu. Natu, en deuxième. Zatu. Snubbull. Snubbull. Rambule. Croyant Galar. Bibichute. Chapoutus. Sorcilance. Moi, je l'ai en holographique en France. Français plutôt. Oui, messieurs, qui passe le balai. Oui, messieurs. Bon, là, je pense qu'il y aura 100 000 énergies. Hein. On va aller passer. Énergie psy. Tiens, ils mettent Morgane, une championne de la première génération, petite psy, je crois. Donc, je crois qu'elle est très forte en plus. C'est sur 227, donc c'est pas point de fusion. Ça, c'est recherche professorale de professeur Magnolia. Non, oui, je crois. Poké enfant. Mais c'était Magnolia, parce que l'autre, c'est Sonia, que je me disais. Là, c'est Nabil. Il est pas très fort, hein. On doit mettre son mine Nabil. Rosemary. Ballon. Échange d'énergie. Essence d'évolution. Super ball. Super bonbon. Échange. Attrape Pokémon. Allez, maintenant on va passer au récap spécial miam miam. Alors on va ouvrir celui avec Pochama, donc type ouf. Ça tombe bien, c'est l'heure du goûter, j'ai faim. Du malheur, bon. C'est pas trop tard de miettes et y mettre qui. Toi c'est un Arceus. Comme le jeu qui va bientôt sortir, Pokémon Légende Arceus, c'est Darkrai, un beau légendaire. C'est numéro 103. Beau Salamèche qu'ils mettent là. Mais Lucario, tiens, lui je l'avais déjà. Là, c'est l'Arméléon sur Zamazenta. Et on a Zamazenta, tiens. Pokémon bouclier, c'est le numéro 2. Non, ça doit être Zacian. Ou Zacian.
demander à Ponita et vole toutou. Là, il y a un lance-orient. Oh, un beau arrosoir. Bon, et les pitchous, mercredi prochain, on va repasser à la célébration. À bientôt.